Label RREC, donc ERR, plus loin REC. Voilà, on a bientôt 5 ans et on est un label indépendant complètement. Et donc on fait ça tous les deux, on est les petites mains du label, sélectionner le contenu musical, s'occuper de l'identité visuelle des projets et du label, créer du contenu en fait vidéo, documenter un petit peu, ce qu'on fait avec les artistes. Et donc on est spécialisé dans des supports analogiques, quoi. On est très très cassette et vinyle. On sort de la musique qui est faite quasiment exclusivement avec des synthés analogiques. Ça va de musique assez expérimentale, voire un petit peu électroacoustique, jusqu'à des choses assez pop et de la librairie, de la soundtrack. En fait, nous on est d'une génération, on est des quarantenaires, et donc du coup on a grandi en fait avec les objets. On a un attachement en fait, moi personnellement, aux cassettes et aux vinyles. Donc quand on a commencé à faire le label, en fait l'intérêt et la passion, c'était vraiment de créer de beaux objets en fait sonores. C'est-à-dire que dans 20 ans, si quelqu'un cherchait le disque ou le livre qu'on a, moi j'ai désigné, c'est-à-dire que tu ne sais pas exactement quand c'était créé. Donc pour moi, j'ai trouvé que ce style-là, c'était parfait pour ça. Et c'est aussi le genre de style que je peux faire parce que je peux faire des choses géométriques. C'est toujours une question de garder un peu de purity de design et aussi d'être aussi inspiré par la musique aussi. Cassette, ça permet quand même de sortir des projets de musique plutôt expérimentale, de faire des petites séries. C'est plus facile à produire en fait que les vinyles. Et puis l'avantage aussi, je trouve que c'est le son en fait également, quoi. Écouter un extrait de Yves Malone de la cassette Sikuta Makulata qu'on vient de sortir. Et Yves Malone, c'est un artiste assez mystérieux en fait, américain. Il a une tapographie, une discographie assez impressionnante. Et voilà, donc cette musique fabriquée avec beaucoup de synthés analogiques, un petit peu à l'ancienne, avec de la synchromidie SCV. Et des espèces de bandes-sons un peu étranges, avec des influences variées qui vont de Badalamenti à John Carpenter. Je pense que ça doit être un peu ces figures un peu tutélaires. Pour expliquer le concept des RREC Library, en fait c'était de faire des disques un petit peu hommage à la musique d'illustration, aux musiques de film, toutes ces musiques qui étaient produites en studio, faites par des musiciens qui par ailleurs en fait avaient d'autres projets musicaux et qui faisaient donc de la musique pour la publicité, pour la radio, pour la télé. Et on a vu plein de rééditions sortir et on trouve ça génial en fait, les belles rééditions qui ont été faites par Bornbad ou Gonzai. Mais nous, on avait envie de s'amuser en fait à faire un disque assez intemporel pour qu'on puisse le prendre pour un vieux disque en fait de librairie, donc d'illustration.
Et pour ce faire, donc avec une thématique quand même très basée sur les synthétiseurs analogiques, on a essayé de rassembler une petite équipe de compositeurs et de compositrices qui voulaient se prêter à cet exercice. On s'est retrouvé avec des gens qui, sous pseudonyme, nous ont fait des morceaux. Des gens de Forever Pavot, par exemple, du groupe Ojar également. Tiger Tigre également nous a fait un morceau. Voilà, Domotique aussi, Pointe du Lac également nous ont fait un morceau, Alexis Lumière, enfin voilà, il y a plein de gens qui sont rassemblés, Amo, Atmosphère en fait, Amo Vacaria. Et là dans le prochain volume, on va essayer d'avoir un peu plus de femmes en fait. C'était très masculin en fait, la première équipe, et Bolanilé c'est un petit peu plein. Ah oui. Donc, voilà, donc on n'arrivera peut-être pas à une parité sur le volume 3, mais on a essayé un petit peu d'aller à la rencontre de compositrices qui bossent avec des synthés analogiques et qui seraient intéressées de se prêter un petit exercice de style un petit peu rétro. Voilà, et on en est au deuxième volume. Donc c'est des sorties qui sortent en cassette et en vinyle également. Et là, on est en train de préparer le troisième. Le volume 3, dont on a choisi le thème. Et donc, on a commencé à demander à notre petite équipe de compositeurs et de compositrices de plancher sur le thème. Donc, le prochain thème, c'est Vie sauvage, Wildlife ouais. En anglais. Notamment sur les compiles de Library, on fait en effet, je pense, de la fausse musique d'illustration, parce que si c'était vraiment de la vraie, peut-être que ce serait pas passionnant à écouter sans l'image, quoi. On aime bien qu'il y ait des morceaux quand même qui ressemblent à des morceaux, enfin qui suffisent à eux-mêmes, ouais. Et que voilà, qu'ils soient assez assez intéressants pour qu'on puisse justement se faire notre propre petit cinéma mental.